Benoît, une première sélection, qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup de fierté déjà, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel de représenter son pays, donc pour moi c'est vraiment une fierté immense et ensuite beaucoup d'excitation. C'est vrai qu'en plus je joue mon match demain, donc voilà, c'est moi qui joue en premier, c'est moi qui ouvre le bal, donc il va falloir essayer de lancer l'équipe de France sur de bonnes bases et si je pourrais apporter mon point, ça serait encore plus beau. Tu vas lancer la rencontre contre Karine Busta, que tu connais plutôt très bien, tu l'as joué souvent. À quel type de match tu t'attends ? Oui, c'est vrai qu'avec Karine, on s'est joué pas mal de fois. C'est un mec génial et c'est vrai que je m'attends à un match très serré. C'est un super joueur qui a fait demi à l'US Open l'année dernière, donc il joue très bien. Ça va être un match très intense, avec beaucoup de rallyes, je pense. Il va falloir essayer d'être solide et de faire la différence sur les moments importants dans le match. Et puis voilà, il va falloir que je m'appuie sur mes armes pour faire de mon mieux. Essayer de le gêner au maximum comme j'ai pu le faire par les rencontres précédentes. J'ai juste hâte d'être à demain pour jouer mon match. Après, il y aura Lucas sur le court. Retrouver Lucas sur ce court, toi sur la chaise, est-ce que ça va rappeler des souvenirs ? Bien entendu, arriver sur ce court, c'est forcément, naturellement, c'est toujours de bons souvenirs ici. Gagner la balle de match du dernier point d'une finale, ça restera pour toujours, pour lui et pour nous, un des plus beaux moments de sa vie. Et donc, ouais, revenir sur ce terrain, c'est particulier. Cela dit, depuis, on a déjà joué deux rencontres, dont une difficile en Italie, où il a été testé, où il a été bon. Donc on essaie de rester dans le présent, ne pas se laisser porter, envahir par des émotions. Et voilà, demain, on joue l'Espagne, qui est une équipe très homogène, solide. Ce sont des bagarreurs, ce sont des bons joueurs de Coupe Davis. Donc ouais, il va falloir qu'on soit très bon pour gagner. Donc vendredi, tu retrouves Roberto Bautista Agut. Tu l'as joué plusieurs fois, la dernière fois c'était à Dubaï, en finale. En quoi ce match sera différent cette fois ? Un peu de tout. Déjà, c'est à l'intérieur. C'est une autre compétition, au meilleur des cinq. J'aurai pas 8 matchs dans les pattes. Et donc voilà, tout ça fait que ce sera différent. Mais quoi qu'il arrive, la Coupe Davis, c'est toujours différent. Et donc ça va être un match intense, physique. Il va falloir être prêt mentalement du début jusqu'à la fin. Lui, il lâche rien. Il est connu pour ça. Donc vraiment essayer de mettre mon jeu en place et de donner le maximum. Tu te sens en forme ? Ouais, très bien. Je suis en forme. Hâte de commencer demain, hâte d'arriver au stade demain matin, de faire l'échauffement, de regarder Benoît dans le vestiaire et ensuite de rentrer sur le terrain. C'est pour ça qu'on se prépare et qu'on fait ce sport. Merci beaucoup.